Le fonctionnement du serveur DHCP au niveau des retours Cisco. On va faire la configuration côté serveur et côté client, et je vais partager avec vous des techniques et des astuces qu'on utilise. Alors donc pour le serveur DHCP, comme vous le savez, en entreprise, c'est un parc informatique important. Donc c'est difficile de configurer pour chaque PC, chaque imprimante. Je parle des imprimantes réseau, IP des imprimantes réseau. Donc c'est pas pratique de taper des configurations IP d'une façon statique. Alors donc la solution, c'est il y a le serveur DHCP qui permet de configurer d'une façon automatique les adresses IP pour tous les périphériques réseau. Alors ce protocole, il se base sur, comme vous le voyez dans la figure, il se base sur la diffusion. La diffusion, donc les clients, ils n'ont pas initialement, après le redémarrage, le démarrage des PC, par exemple, si je prends l'exemple de PC. Après le démarrage des PC, initialement, on n'a pas d'adresse IP. On n'a pas d'adresse IP, donc il y a un processus DHCP côté client qui va faire la diffusion. Il cherche les serveurs DHCP pour récupérer une configuration IP, pas juste une adresse IP. L'adresse IP, la passerelle, le DNS, le nom de domaine, il y a pas mal de paramètres à envoyer depuis le serveur vers les clients. Donc comme la figure le montre, on a DHCP Discover. Donc le client, il va envoyer un message de diffusion. Il cherche un serveur DHCP. Tous les périphériques du réseau, ils vont recevoir sa diffusion. Et sauf les serveurs DHCP qui vont répondre. Donc ils vont répondre avec le message ou le paquet DHCP offer. Donc avec ce message, donc le client, il reçoit cette offre à partir du premier serveur qui répond, et il doit confirmer la demande. Donc il va envoyer un paquet de DHCP request pour demander une configuration IP ou bien une adresse IP. Alors donc le serveur qui reçoit cette demande, il va l'accorder, il va accepter de donner une configuration IP à ce client. Donc en principe, c'est ça le principe de base du serveur DHCP. De serveur DHCP, donc il y a un peu un principe. Je veux vous montrer. Donc je vous donne un exemple. On a un retour, on a un switch et on a des PC. PC1, PC2, etc. Ok. Donc on suppose qu'on a un autre sous-réseau. Ça c'est R. Ça c'est R1, ça c'est R2. On suppose qu'on a ici un sous-réseau distant. PC3. Alors donc, comme on a dit que le protocole DHCP, il se base sur la diffusion. Donc les PC, ils vont faire la diffusion à ce niveau-là pour trouver un serveur DHCP. Et comme vous le savez, que les retours, ils bloquent la diffusion, ils ne laissent pas passer la diffusion parce que ce sont des périphériques de la couche 3. Et la diffusion, ça se fait au niveau de la couche 2. Au niveau de la couche 2, et généralement on fait la séparation, la segmentation de ce réseau pour éviter d'avoir un domaine de diffusion très 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 grand. Donc avec le retour 1, il va bloquer la diffusion. Donc les PC, ils vont chercher un serveur DHCP dans cette zone, dans ce sous-réseau. Donc la même chose pour ce sous-réseau-là. Ils vont chercher le PC3 par exemple, si on a un autre PC, ils vont chercher le serveur DHCP sur ce sous-réseau-là. Alors que, donc, si on a cette topologie, on est obligé d'installer un deuxième serveur DHCP sur R2. Et donc, si on a un autre, d'autres sous-réseaux, etc., donc, ce n'est pas pratique de configurer pour chaque sous-réseau un serveur DHCP. Ce n'est pas pratique. Donc, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise la solution, l'agent relais DHCP. Donc, on peut configurer
Ici, on a le serveur DHCP. Et ici, on peut configurer le routeur, l'agent relais. Relais sur cette interface, sur ce routeur-là, et bien précisément au niveau de cette interface, afin de, si un PC cherche un serveur DHCP dans ce réseau-là, contacter le serveur DHCP et afin de récupérer une adresse IP et puis envoyer l'adresse IP vers les clients qui demandent des adresses IP. Donc, pour la topologie ou pour la démonstration, on va voir la configuration des serveurs DHCP pour une topologie qu'on a fait déjà pour la démonstration du routage inter VLAN. Donc le serveur il est capable de, et comme ce chaque VLAN forme un sous réseau, donc le routeur il est capable d'attribuer des adresses IP ou des configurations IP pour chaque VLAN. Alors il y a un fichier texte qui contient je vais parler des commandes pour configurer le serveur DHCP. Alors pour le serveur DHCP, on peut, comme vous le savez, qu'on a un sous-réseau, par exemple le sous-réseau 192.168.1.0 sur 24, et on peut demander du serveur DHCP d'exclure des adresses IP. Donc pour notre TP, on va exclure de 1 jusqu'à 9 pour chaque sous-réseau. Donc pour ne pas, par exemple, comme vous le savez, que la passerelle par défaut prend généralement la première adresse, 1.1, c'est le serveur DHCP envoie la même adresse à un autre PC, il y aura un conflit d'adresse IP, et on aura des problèmes au niveau de notre réseau. Alors pour éviter ce genre de problème, on peut exclure des adresses IP. On peut exclure une adresse IP spécifique ou bien on peut exclure une plage d'adresse, par exemple de 1 jusqu'à X, etc. Alors la deuxième étape, on va déclarer les pôles. Et pour, par exemple, si on a par exemple plusieurs sous-réseaux, on va déclarer pour chaque sous-réseau un pôle. Exemple, et chaque pôle on va taper ses caractéristiques, par exemple sans ce réseau, la passerelle par défaut pour ce réseau, le serveur DNS, le domaine, etc. Alors bien sûr que le serveur DHCP il ne donne pas d'une façon permanente une adresse IP à un client. Donc le client il va louer cette adresse IP ou cette configuration pendant une durée bien déterminée qu'on peut le configurer via notre serveur DHCP, une semaine, 3 jours, 4 heures, 8 heures. Donc ça dépend le contexte dans lequel on implémente le serveur DHCP. Je ne vais pas entrer dans le détail, on se concerne le bail, etc. Donc, puis on a des commandes pour vérifier la configuration du serveur DHCP. Alors et enfin il y a des commandes pour activer le relais sur un routeur distant pour que le sous-réseau distant il puisse récupérer des adresses IP à partir d'un serveur DHCP distant. Donc je vais passer à la démonstration. Et donc comme vous le savez, c'est le schéma la topologie qu'on a utilisée pour configurer le routage inter VLAN. Et comme vous le savez, je vais faire un test. Ça c'est ce même VLAN, deux VLAN différents, etc. Donc très bien, ça fonctionne. Et on a, comme si vous vous rappelez, on a configuré les adresses d'une façon statique. Maintenant, on va configurer le serveur DHCP au niveau du routeur pour attribuer des adresses d'une façon dynamique. Entrée EN. Conf-t. Alors IP DHCP exclu. Je vais commencer par l'exclusion des adresses. Je vais exclure le 10. Comme on a travaillé, on a les trois sous-réseaux 192.168.10.0 sur 24, 20.0 sur 24 et 30 sur le. Et chaque sous-réseau pour le VLAN. Le 30 pour VLAN 30, le 20 pour le VLAN 20 et le 10 pour le VLAN 10. Alors, je vais exclure le 10 de 1 jusqu'à 9.9. OK, IP. Et après, je vais déclarer les pools DHCP.
pool. Pool, ça c'est, je vais créer un pool pour le VLAN 10, entrée. Alors, network, je vais déclarer les caractéristiques de ce pool-là, 10.0, 255, 255, 255.0. Ok, c'est bon. Default, la passerelle par défaut, c'est, on a le 10.1. Ok, donc DNS, et on va choisir, par exemple, on n'a pas configuré le DNS, mais on va choisir le 10.250, comme serveur DNS pour vérifier, c'est juste pour vérifier la configuration, cette configuration au niveau du côté client. Exit IP DHCP exclu adresse, donc je vais exclure la plage de une plage de ce réseau 20 jusqu'au 192.168.20.20.9. alors entrée. Alors, je vais créer le pool DHCP, pool pour le VLAN 20, VLAN 20, entrée, je vais déclarer le réseau 192.168.20.0, 255, 255, 255.0. Alors, je vais, la passerelle pour ce réseau, c'est 192.20.1. Et le DNS, la même chose, on va prendre 20.250. Entrée. Alors, exit. Je vais configurer le troisième pool pour le troisième ce réseau. Alors, on va utiliser IP DHCP exclusive. Je vais exclure, commencer par exclure une plage. C'est pas le 1, c'est le 30.1 jusqu'au 192.168.30.9. Entrée. IP DHCP. EPDHCP, je vais configurer le pool. Pool, quel pool? VLAN 30. Ok, le VLAN 30. Alors, je vais déclarer le réseau, network 192, 168. Pour le 30, c'est 30, 0, 255, 255, 255.0. Ok, donc on a default, la passerelle, c'est 30.1. 30.1 DNS, c'est 30.250. 30.250. Ok, c'est bon. Je pense que c'est ça ce qu'on va configurer. Je vais vérifier ce que j'ai tapé. Show running config. Running config. Et comme vous le voyez, dans le je vois la configuration. J'ai exclu la 3 plages du 10, du 20, du 30. Et on a entré. Et on a 3 pôles, comme vous le voyez, IP, DHCP, pour le VLAN 20, pour le VLAN 10, on a 10, on a la passerelle et on a le DNS, on a pour le pôle VLAN 20, on a le sous-réseau, on a la passerelle et on a le DNS, pour le VLAN 30, on a la même configuration, mais avec des adresses différentes. Alors, je pense que c'est bon, c'est bien configuré. Maintenant, je vais aller sur un client pour vérifier. Je vais, au lieu de statique, je vais choisir le DHCP. Ah oui, c'est bon. Donc il a récupéré DHCP request successful. Donc on a, il a récupéré 12 à partir de 10.12, le sous-réseau, la passerelle et le DNS. Ça c'est un PC de VLAN 10. C'est pour ça qu'il a récupéré une adresse de 10, de pool 10. Alors ça c'est pour, je vais vérifier avec ça, DHCP. Ah bon, c'est bon, il a récupéré une adresse de plage 20. Parce que c'est un PC de VLAN 20. Et on a configuré ça. Alors desktop, la même chose. Je pense que ça fonctionne très bien. Alors la même chose, je vais demander de tous les PC de récupérer des adresses IP. Et comme vous le voyez ici, c'est un PC de VLAN 10, il a récupéré une adresse de la plage 10. Alors, ok. Et après, on va faire un test de ping avec des adresses dynamiques entre tous les PC. Alors, ok. C'est bon. Ok, je vais supprimer ces ping. Je vais faire. Là, ça passe très bien. Alors. Ça c'est entre les mêmes VLAN, ça passe entre des VLAN différents, ça passe.
C'est la première fois, comme c'est un ping, ça passe. Donc très bien, donc la deuxième fois, c'est juste pour vous montrer que c'est la deuxième fois, c'est très bien. Alors on a bien configuré notre serveur DHCP côté de notre serveur DHCP. Il y a des commandes, je vais partager avec vous des commandes côté client pour avoir, on a if IP, ipconfig slash, slash all. Alors comme vous le voyez ici, on a l'adresse IP. 10.12, on a le masque, on a la passerelle par défaut et on a le DNS et on a ici le serveur DHCP qui a attribué l'adresse. C'est le 192.168.10.1. Alors si par exemple je veux libérer cette configuration IP config, il y a pas mal de relays. Ah, c'est bon, donc à partir du client, si je veux par exemple libérer et rechercher, renew, ce sont des commandes que vous pouvez l'utiliser pour, comme vous le voyez, que j'ai réactualisé ma configuration et le système il a récupéré une autre adresse. Alors ça, ce que je veux partager avec vous, je vais tester un ping, un petit ping, 10.1. Ouais, très bien, ça fonctionne. Alors maintenant, je veux pour configurer l'agent relais, je vais ajouter un sous-réseau distant. Donc, je vais prendre un routeur ici. Et alors, un routeur avec un switch, avec un PC. Je prends un PC. Alors, donc pour ce PC, je vais câbler les 5 Go. Si vous préférez non, c'est juste un exemple. Le PC, je vais le connecter avec son réseau. Alors ici, je dois configurer. Alors, je dois sauvegarder la config avec writes. C'est déjà, c'est très important. C'est très important. Alors, ok. Maintenant, je vais configurer des interfaces série. C'est bon, je démarre. Alors, la même chose pour ce routeur-là. Ok, c'est bon. Maintenant, je peux quoi câbler série 0, c'est vers série 0. Alors, je vais choisir pour le sous réseau 1.1.1.1, 0 sur 30, comme si tu lis en série, et 1.1. Et ici, on a le point 2. Je vais le configurer. Moi, je note dans la topologie les sous-réseaux. Et ici, je vais choisir un sous-réseau 180.168.40. On n'a pas 40, 0 sur 24. Ok, très bien. Et ici, je vais choisir le point 1. Alors, je vais configurer les adresses. Vous le savez comment configurer. On va utiliser 1.1.1. C'est sur 30. C'est 255, 255. 255, 255, 252, c'est sur 30. Alors je vais configurer de l'autre côté, ça, je vais aller sur 0, c'est juste pour gagner du temps, je sais qu'on peut taper, non c'est pas, c'est 1.1.1.2, j'active l'interface et je configure le masque de ce réseau, 250, ça c'est sur 30, ok. Alors, je vais tester le ping entre les deux PC. Alors, ça passe très bien. Alors, maintenant, je vais configurer ce PC-là avec une adresse statique. Et avant de tester DHCP, 192.140. Par exemple, je commence avec 10 et je donne la passerelle 140.1.
Ok, c'est bon. C'est juste pour faire le test. Je dois configurer cette interface, le Giga 0/0. Je l'active avec 192, 168, 40.1. Et c'est bon. Ok. Je pourrais accélérer fast, 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 fast. Alors, je peux faire un ping entre le PC et ce routeur-là. Je vais maintenant essayer de pinguer sur un autre réseau. Ça passe pas. Ça passe pas. Alors, donc, je ne vais pas entrer dans le routage concernant cette vidéo, mais je vais vous montrer comment interconnecter ce sous-réseau-là avec ce sous-réseau distant. Donc, on doit configurer, on doit ajouter une route. On aura d'autres vidéos pour le routage, mais maintenant, IP route 0.0.0.0, je vais ajouter une route par défaut, 0.0.0, vers le 1.1.1.2. OK? Alors, c'est bon. Alors, je vais taper la même commande exit. Alors, IP route 0.0.0.0.0.0.0.0 vers le 1.1.1.1. Alors donc, que signifie cette route? C'est la route par défaut. Ça veut dire que je vais configurer mon retour. Ça, c'est ER2. R2, c'est R2. Je sauvegarde. Alors, ça signifie que si vous cherchez un ordinateur sur... Si vous voulez atteindre n'importe quel, c'est ça la signification de la route par défaut, si vous voulez atteindre n'importe quel sous-réseau, il faut passer par le R1. Et la même chose pour R1, si vous cherchez n'importe quel sous-réseau n'est pas connecté directement, alors qu'il ne c'est pas 10, c'est pas le 20, c'est pas 30, ben allez contacter le R2. Par exemple, si on va pinguer sur le 8.8.8.8 à partir d'un client, notre routeur, il va envoyer la requête vers ce routeur-là. Mais c'est juste, on a ajouté les deux routes pour interconnecter ce sous-réseau-là avec l'ensemble de réseaux constitués avec plusieurs VLAN. Maintenant, je vais faire le test. Je ping sur le routeur, ça passe. Je ping, ça passe. Et je peux pinguer sur ça. Ça passe. Pourquoi? À grâce de... Donc, il est interconnecté, mais comme vous le savez, c'est une vidéo pour le DHCP, il est configuré statiquement. Maintenant, on doit configurer l'agent relais au niveau de R2 afin de récupérer une adresse à partir de ce retour-là. Alors, on doit configurer notre serveur DHCP, on va ajouter un quatrième pool. Alors, IP DHCP et PDHCP exclure. On va faire la même chose qu'on a fait, 40.1, alors 192, 168, 40.9, je vais exclure. Alors IP DHCP, alors pool, alors je vais déclarer LAN 40. Je vais donner un nom, c'est pour le réseau distant qui contient qui est avec le sous-réseau 192.168.40.0 sur 24. Entrée, je vais déclarer le réseau. Network, c'est 192.168.40.0.255.255.255 et .0. Ok, c'est bon. Default, gateway, on la passerelle, c'est 192.168.40.1. C'est bon. Alors, DNS, on va l'utiliser juste pour vérifier. 192.168.40.250. Ok. Je pense que c'est bon. Alors, la dernière configuration. On doit configurer ce retour-là afin d'utiliser, de jouer le rôle de l'agent DHCP. L'agent relais. Alors, conf pay. Int, on va entrer dans la configuration de giga slash 0 slash 0, donc de cette interface, l'interface connectée avec le réseau 40. Alors, entrée, alors IP, helper. Ok. Ah oui, helper. Helper adresse. Donc, et je vais préciser l'adresse IP de notre serveur DHCP. C'est le retour 1, c'est son adresse, c'est 1.1.1.1.
1.1.1. Alors, entrée, exit. OK, donc on a configuré, c'est tout, ça ce qu'on tape dans le l'agent relais. Alors, on va vérifier à partir de notre PC, on va utiliser essayer de récupérer, et comme vous le voyez, il a récupéré l'adresse 10.40.10 parce que la plage exclue c'est de 1 jusqu'à 9. Et ça fonctionne très bien et je peux pinguer avec cette adresse. Ça fonctionne et toute ma topologie il fonctionne. Toute ma topologie il fonctionne sans configuration statique. Le tout il est dynamique. Et je pense que ça, ce que je veux partager avec vous en ce qui concerne le serveur DHCP et l'agent relais. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je pense que c'est bon, comme vous le voyez, que ça marche. Alors, je passe en mode simulation et vous allez voir, en mode simulation, je vais pinguer sur, à partir de ça, vers ce PC-là. Alors, suivant, comme vous le voyez, suivant, tac, ça fonctionne très très bien. Et ce qui est très important sur le matériel Cisco, c'est on tape la commande correctement, le système il fonctionne d'une façon très fluide. C'est comme sous packet tracer, comme dans la réalité. Donc ça, on configure ça, mes étudiants le savent, ça, on fait des TP sur l'armoire Cisco. Donc ça fonctionne très bien. Alors donc, merci beaucoup pour votre attention et bon courage. À la prochaine, Charles. Je vais